je vais voir si ça fait vraiment peur. Parce que y en a... parce qu'on m'a dit que ça faisait peur. Et je voulais voir si ça faisait peur. Du coup, sans plus attendre, on fait une petite nouvelle partie. Calme. Difficile, cauchemar, psychose. Bon, une petite partie normale, parce que je connais pas le jeu pour l'instant. Atlas contient des scènes de violence intense, du sang, du contenu graphique, d'ordre sexuel et du langage grossier. Bon amusement. Cool. Vous incarnez Miles Upshur, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires coquins, notre journaliste n'est prêt à étudier. Vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Monte Massive. Excusez-moi si je bafouille un peu. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant, alors parcourez les horreurs de Monte Massive et dévoilez la vérité. Vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. C'est parti. Ça va être la bombe. Ah, ça tremble. Au calme. FM 107.9. Je connais pas. Déjà, ça a l'air sympa, à première vue. Et il est quasiment vide. Oh, le mec, déjà, il a peur. Parce que je le sens. Je sais pas, je le sens. La manette elle tremble comme si si le tremblement de Mute Mail. Ah d'accord. Bon je disais ouais franchement la manette elle tremble comme si les battements de son cœur ça tremblait la manette. C'est un truc de fou. Bon, apparemment je pense qu'on devra Miles Upshur Independent. Ok. Ouh, Night Vision. Au calme. Les objectifs, carnet contient aussi les notes et les documents récupérés. D'accord. Documents, notes, ok. D'accord. Du Pongler, au calme. Déjà, c'est un double screen. Au calme. Ok. Ok, c'est ce bouton pour sortir la caméra. Pour s'accroupir. C'est quoi ça? J'essaie de découvrir le bouton. Ok, pour couvrir ce bouton, pour sortir la caméra, c'est ça. Ouvrir rapidement une porte. Voilà. Rien qu'à vue des noix, je commence à me sentir mal. En même temps. On décide le monde massif, discrètement fermé par les autorités, sur fond de scandale en 71, ouvert par Murkoff Psychiatric System en 2009, sous couvert d'une œuvre caritative. Père du réseau de téléphonie mobile à 1,5 km, plus promenant à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. Ouais, je pense aussi. Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité. Jusqu'ici, jamais sur le territoire américain, je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup. Peut-être de quoi les faire couler si l'article réussit à paraître. Ok. Ah là-haut! Oh! Night Vision! Attends, pourquoi c'était quoi? Ah, c'était ce bouton.
Véhicule de l'armée. Bon, on va voir si on doit passer par là. On peut pas. Tut tut. Non. Ok, on va me faire foutre. On peut pas passer par une fenêtre. Il semble qu'on peut passer par une fenêtre. Je suis pas sûr, mais... Oh. Ah ouais, là, il y a la fenêtre ouverte là-bas. Comment on va faire pour passer? Attends, on va juste checker là. Non. D'accord. Tu sais, il en a peur, le gars. Là-bas, c'était d'être un jeu d'horreur. Puis après, c'est parti en couille, c'est parti sur du Day Night. En mode parcours. Ok. Voilà. Franchement, je kifferais avoir une caméra à vision nocturne. Ouais, et... Ouais. Comme Call of, ou Rainbow Six. Je te mets sur le bord, et... Ouais, il y a du sang. Barbecue? Ouais, mais enlève-moi ça. Enlève-moi la caméra! Bonjour. Nice. Infrarouge. Salut Super Fox, bienvenue sur live. Bonjour. Un document. Oh putain. Médecin. Comment il s'appelle le gars? Mercenal Billy. WPH Billy. Consultation 2013. Première consultation 2009. Âge de patient 19. Ah, il est tout jeune. C'est un mec. Dr. Carl Hodson. Monsieur déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induit. Précédent. Poursuite du programme en niveau 4. Ah ouais! Je sais pas si le niveau 1 c'est le plus bas et le niveau 4 c'est le plus haut. Enfin, ou l'inverse. Je sais pas comment expliquer. La spirométrie n'avait aucune accumulation de bronches. Non, ouais, c'était pas possible, c'est pas vrai. Une arythmie du mouvement oculaire rapide, non rapide. Rire à l'état, non rapide. Il a demandé où en était le procès. Ah, c'est un pas. Mais un mur, quoi. Dans les rêves sanglants du docteur Stranger. Remarque, le seul Stranger figurant dans les registres de la société, un ennemi Richard Stranger, est un cas de MRD. Il va falloir interroger tous les familles et personnels de sécurité pour examiner les vidéos sur la formation de la politique. Ok. Bon, Ok, si c'est ton kiff. Le mec il en a peur. Un truc de fou. Attends, on va juste voir si on peut y aller. Ah non. Tant pis. Bon bah. Aïe. Ouais. Droite ou gauche? Bon bah il est donc gauche. D'accord.
Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Eh, c'est pas bien de faire peur aux gens comme ça. Bon, après, moi, tu me fais pas peur, mais... C'est pas bien de faire peur aux gens qui regardent... Bon, bah, alors... Tu veux... Il manque la tête. J'avoue, il est en palais. Ah non, je rêve pas. Ils nous ont tués. Le chapelle est variant. Ah d'accord. Pour rien contre eux, il faut se cacher. Où est la porte principale dans lequel tu peux être? Mais c'est quoi ça, c'est ça? Ah ouais, non. Ok. Oh, les têtes, elles sont belles. Non, je déconne. Bon, ce serait bien que tu te calmes. Oh, une pile. Vous savez ce qui me ferait rigoler? C'est qu'un putain de screamer qui arrive. Ou genre quand, ou alors quand j'ouvre la porte ou je rentre dans une pièce. Dès que j'ouvre la porte, ou un truc dans le genre, là comme là dans les toilettes, genre je me retourne, bam, y'a quelqu'un. Ce serait kiffant. Fermé. Tant pis. Qui c'est, bonjour? Pas bouger. Tant pis. T'es qui toi? Non, toi t'es qui? Il est trop moche. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Il a envoyé un apôtre. Guard your life, son. Veillez sur votre vie. You have a calling. Hein? Parle français. Le gros salaud. C'est là que le mec nous a rechargé les batteries. Fais l'asile, accéder au local et sécurité pour débloquer les portes. Voilà. Aïe. Ok. Attends, on va juste mettre pause. Ok. En fait, le but au début du jeu, c'était de rentrer dans l'asile. Et une fois qu'on est dans l'asile, ils nous disent dégagez de l'asile au plus vite. Proclame de gospel. Et il faut que je trouve le truc de local de sécurité. Et je ne suis pas dans la merde. Pas des piles. Allez. Oh, c'est vrai. Bonjour. Faudrait que je m'habitue au bouton. Ouais. Ouais. Il y a besoin d'être filmé. Ouais, non. Il n'y a pas d'autofocus. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y avait un putain de screamer. Bonjour. Comment vas-tu? Il faut manger. Dégueulasse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans la pièce?
ou je me barre. Alors, pas une caméra. Y'a pas une deuxième caméra quelque part? Bon. Pendant que vous me dites sur le chat, qu'est-ce que je dois faire? Ok? Vous me dites quoi faire? Genre rentrer dans le. Dans la pièce? Ou me barrer? Dites-moi ce que je dois faire. Réponds à un message. Rentre. Alors on me dit rentre, vas-y rentre. Allez, on sort juste la caméra au cas où. Bonjour. Vous êtes dégueulasse. Vous avez besoin de bombes. Putain. Ah mais ils sont bradérins devant en fait. Genre le mec il a l'armoire sur lui. Ah non. Normalement tu peux même pas faire ça. J'imaginerais trop que quelqu'un me tire les jambes et tout. Ce serait qui au fond? Bon je suis pas normal mais... Voilà quoi. J'ai un corps partout, du sang en train de brûler, des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir. Des scientifiques de Murkoff pendus au plafond, au calme. Sur leur badge, on peut lire Murkoff système de recherche avancée. Murkoff a l'habitude de le tirer. On profite des prétendues actions caritatives, ça ne date pas d'hier. Des milliards engagés au détriment du tiers-monde. Mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du avec un bâtiment rempli de dingues? Je sais pas. Il y a une espèce de vigile empalé comme un cochon sur une broche avant de crever. Et il me dit de foutre le camp si seulement il me l'avait dit quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Ouais, pas con. Pas con. Une foule de type brisé qui regarde une TDHS, on dirait des patients, ils sont fiers à ce qui s'est passé ici. Mais ils ont un cervelle en compote. Déjà, on dit pas cervelle en compote, ça se dit plus depuis 1953. Et on dit tête. Bon, en fait, je sais pas comment on dit. Walker. Walker Texas Ranger. Ok. Bon, Stan assure l'activité du moteur morphologique environ 2000 ppm. Déjà, faut savoir ce que c'est le ppm. C'est pas le niveau 3 du programme hormonal. Bon, du coup, ouais, du programme hormonal sur risqué, diagnostic, respirométrie, avec une accumulation bronchite légèrement moyenne et IRM cohérent avec les rêves rapportés par le patient. Nous entrons en raison des mutilations qui s'infligeaient au cœur d'un travail pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à sa taille gigantesque. Lourd. À mon avis, le grand balèze là, celui qu'on a vu tout à l'heure, ça doit être Walker. Ces éruptions thermiques étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire MM. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Au calme. Au calme. Il semble avoir été côtoyé d'un œil pinéal. Il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chairs, en particulier autour du nez et des lèvres. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Les traumatismes psychologiques qu'il a subis durant son affectation en Afghanistan, en la rentrée de la blessure du président du CMM.
Effectivement, t'as l'objectif de la thérapie. Et axé sur les procédures de sécurité militaire, il est vivement recommandé de poursuivre le confinement aussi bien par des moyens physiques que chimiques. Pourquoi pas? Bah, pardon. Ah, bah, on peut pas. Bon, bah, on va se faire demi-tour. Bonjour. Vous en faites pas, hein, je rangerai tout plus tard. Juste le gars de la. Ouais, non, en fait, fuck. Ouais, qu'est-ce que tu veux, quoi? Le déploiement à OCD, faut que... Mais ferme ta gueule, gros con. Position fétale, au calme. T'es pas venu par... D'accord. Non. Allez. Allez. Je veux le même écran de veille. Ah, il est trop derrière. Trop sympa. Attends, je vais voir un truc. On peut éclater la fenêtre, non? C'est juste une vitre comme ça ou alors c'est une vitre renforcée? Dites-moi dans les commentaires si c'est une vitre renforcée ou une vitre normale. À mon avis, ouais, ça doit être une vitre renforcée. Ouais, dites-moi dans les commentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'est une vitre normale ou une vitre renforcée. Bon, vous savez quoi? On va se laisser là-dessus. À mon avis, ça bug de ouf. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais checker un truc. Juste avant. Problème de ghost Paul. Personne en haut. C'est quoi ça? Attends. Ah bah ouais. Bon, on va juste checker un truc là-bas. Bonjour. What? Je peux pas. Oh putain. Série de sécurité, confinement, numéro 3. Je parle de côté de l'administration et de sécurité d'un risque élevé de défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger imminent de contamination de l'environnement. Au calme. Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour inciter l'intervention de CIEM et justifier l'émission de certaines missions et. Il vous est par conséquent ordonné d'accorder aux institutions de soumettre régulièrement à l'autorité de ces gens. C'est sur le présent document. Vous et vos parents ou proches survivants, c'est à tout recours à l'encontre de la Murkoff Corp ou de ses filières. Ok. Bon, du coup, on va se laisser là-dessus juste après avoir lu le document. J'espère que cette premier épisode de notre Let's Play sur Outlast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, n'hésitez pas à partager pour agrandir la communauté. Après, lâchez un commentaire de pour savoir ce que vous en avez pensé et si vous voulez un autre épisode. À mon avis, ouais, je pense qu'il y a moyen que ça se passe. Et on se dit
À très bientôt pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Outlast. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tous et à toutes. Ciao tout le monde.